L'un des plus grands festivals de musique country du monde. 4 jours de fête pour 250 000 personnes. Chapeau et Santiago d'office pour Pascal Michel et Paul-Étienne Zana Mirande. Ce week-end, la campagne gersoise a quelque chose de télévisé. Stetson, Santiago et drapeau américain, pendant 4 jours, Mirande devient la capitale mondiale de la country. C'est le summum. C'est le summum. Heureusement qu'il y a ce festival dans le sud-ouest parce que ça apporte beaucoup. Le festival country de Mirande attire chaque année 150 000 spectateurs pour la musique et, de plus en plus, pour la danse, du matin au soir. Danse en ligne. Et, plus récent, country catalan. Le catalan, c'est le country. Mais avec un style qui vient de la région de Barcelone. Ça fait deux ans que je suis dans la country catalane et là, je ne lâche plus. C'est vraiment ma voix, c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je vais faire jusqu'à épuisement. Leçon numéro 1 de country catalane, chapeau et Santiago obligatoire. Leçon numéro 2, pas de danse américaine. Rocking chair. Step, lock, step, top up. On l'a refait pour ceux qui n'auraient pas suivi. Cours particulier. Des enchaînements comme ça, des jumps, on revient, bon, voilà, des pas un petit peu nouveaux qui n'existaient pas avant, qui donnent un petit peu d'énergie. De l'énergie, il en faudra pour enchaîner bal country, stage et concours jusqu'au bout de l'année.